Et on se retrouve une fois de plus pour le quatrième jour de 10 Days, 10 Drawings. C'est parti! Alors le thème sera l'imagination ou le rêve, l'ambiance, un clair-obscur ou une silhouette, la technique des feutres, le format, un hors-cadre, la couleur, marron, l'humeur, triste, le paysage, la ville, le style de dessin, réaliste, le mot random, baignoire, et le support, du papier noir. Donc comme d'habitude, on fait les recherches, on note les idées et on fait un petit croquis avant de passer au crayonné final. Alors je sais pas si on va bien voir le crayonné parce que c'est une feuille noire, mais de toute façon vous verrez bien au moment où je colorierai. Cette fois j'ai donc décidé de représenter une jeune femme dans sa baignoire, dans un style réaliste du coup. Sa baignoire est placée devant une fenêtre où on peut apercevoir la ville de nuit. C'est d'ailleurs la seule source d'éclairage, tout le reste sera dans le noir pour pouvoir faire le clair-obscur. Du coup, j'ai choisi de colorier au Posca parce que le feutre sur du papier noir, ben, ça ne se verra pas, tout simplement. Et la jeune femme s'est endormie dans son bain, elle est donc en train de rêver. Son rêve est symbolisé par ses cheveux. Si vous me suivez par la suite, vous allez vous rendre compte assez vite que j'adore jouer avec les cheveux des gens. Et ce rêve, donc, est triste puisqu'elle est en train de rêver qu'elle tombe. Ce qui pourrait symboliser qu'elle n'a pas réussi à atteindre son objectif ou qu'elle a perdu quelqu'un, en tout cas que quelque chose lui échappe. Et ce sont donc les contours du rêve, les cheveux, marron au passage, qui seront en hors-cadre. Et voilà le résultat final. Je vous retrouve donc demain pour le jour numéro 5, et comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire, s'abonner, la petite cloche, les commentaires, etc. À demain, tchuss !